Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Dog News, puisqu'une polémique est en train de naître sur les réseaux sociaux, ou plutôt une confusion suite à un gros manque de communication de la part de Sony, puisque selon le média américain VGC, un média quand même très sérieux, nos confrères annoncent que Sony a retiré de la vente sur le PlayStation Store les versions autonomes de Uncharted 4 et de Uncharted The Lost Legacy, permettant aux joueurs uniquement d'acheter le bundle Uncharted Digital Bundle à 40€, regroupant les deux jeux. Il n'est plus possible d'acheter que Uncharted 4 ou que Uncharted The Lost Legacy. Pourquoi ? Il y a quelques minutes justement, Naughty Dog a dévoilé une nouvelle bande-annonce de Uncharted Legacy of Thieves avec une date de sortie fixée au 28 janvier 2022 sur PS5. Si les joueurs possédaient une version de Uncharted 4 ou une version de Uncharted The Lost Legacy, ils pouvaient mettre à jour leur version sur PS5 pour 10€ et obtenir les deux jeux. Ainsi, selon nos confrères de VGC, Sony a retiré de la vente les jeux autonomes pour obliger les joueurs à acheter le bundle à 40€, avec donc la mise à jour next-gen à 10€, ce qui fait qu'ils en auraient pour 50€ le prix de base de la version PS5. Cependant, selon Mohamed Aiguin, notre confrère chez Jeux Vidéo Magazine, les versions françaises, elles, sont toujours disponibles sur le PlayStation Store. Ainsi, on ne sait pas vraiment où est-ce que l'on en est et si c'est une erreur de chez nos confrères américains ou si Sony a retiré les jeux uniquement aux États-Unis pour le moment et qu'ils vont être retirés en France par la suite. Bref, en tout cas, c'est une belle confusion. Comptez sur nous pour surveiller et vous tenir informés. En tout cas, on espère que c'est une erreur. Car si Sony fait vraiment ce choix de forcer les joueurs à acheter la compilation après avoir annoncé l'upgrade à 10€, ce serait vraiment un sacré mauvais bail de la part de l'éditeur japonais. Donc on espère que tout cela n'est qu'une erreur et que tout rentrera dans l'ordre dans les prochaines heures. Restez connectés sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour savoir toutes les informations et le dénouement de cette affaire. Merci à tous, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag. Salut à tous.